Salut à tous et à toutes, c'est Wendis, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 16 du Let's Détente de Angels of Death. Et je suis toujours accompagné de Lorelai 8. Coucou les copains, c'est Lorelai 8. Dans l'épisode précédent, nous avons fait la connaissance du révérend Gray, qui semble être donc le maître de l'étage, chelou. On a découvert donc que le seul moyen de soigner Zach, et bah, c'était de retourner chercher les médicaments au merveilleux étage de Dany. Donc on redescend. Donc voilà. On va repasser tout ce qu'on a déjà accompli. Donc là, on est à l'étage B3. Tout à fait. Et Zach nous a aussi demandé de lui ramener quelque chose de son étage à lui. C'est ça. Voilà, donc on redescend vraiment tout. Voilà. On revient au départ. Voilà, c'est ça. On retourne sur nos pas. C'est bien au bout de 15 épisodes. Hein. Et donc, comme vous voyez, là, l'étage B3, il est un peu... Un peu spécial. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans nos souvenirs, c'était pas comme ça. Les penchants de Cathy à la... à faire en sorte que les gens soient de plus en plus... comment dire, qui perdent de envie de sortir, ouais, et tout, a fait de cet étage, a fait de cet étage un... Il y a beaucoup de mécanismes et de pièges dans voilà, celui-ci. Plus que d'autres. C'est ça. Elle a fait en sorte de l'utiliser pour atteindre les gens émotionnellement. Et les amener à se reprocher eux-mêmes et... Ouais, c'est ça, à réfléchir sur eux-mêmes et à trouver le salut. Ouais. Elle dépensait beaucoup, quoi. Elle a toujours été un petit peu dépensière. Mais on peut dire que c'était un de ses charmes. Ça peut se faire qu'il y a encore. Oui, il y a peut-être encore quelque chose qui cherche le salut ici. Bon, je vais attendre près de l'ascenseur le temps que celui-ci arrive pour descendre au prochain étage. Ouais, c'est ça. Ok. Toujours sous drogue, hein. Hein, voilà. Je suis à peu près sûre que le chemin de la prison est par là. Je dois faire vite. La grille de fer est ouverte. Je devrais pouvoir atteindre la prison en passant par là. Welcome! Welcome! J'entends toujours les voix. C'est ici que le bras est subitement sorti entre les barreaux. Donc que Zach l'a réduit en bouillie. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est le bouton qu'il mentionnait? Est-ce que je peux l'activer? Est-ce que je peux l'atteindre? Encore un petit peu. Nye. Oh merde, putain. Oh, ah, attends, parce que en plus j'ai loupé, ça a pas save. Zut. Game over. Game over. Game over, et ça a pas save, parce que j'ai appuyé sur B, donc j'ai pas save. Et zut. Oui, c'est ça. Donc on va juste refaire vite fait la partie là. Dis, ouais.
la partie dialogue, blablabla. Parce que je pensais pas avoir une save, en fait. Save my season. Tant pis. Et blablabla, je pars plus loin, vas-y, blablabla, bon allez. Dépêche-toi, je t'attends. Bon. N'oublie pas de sauvegarder. Et vous voyez, le truc, c'est que... On était ressorti de là quand... Oui. Je sais plus, c'est quand on avait fini la... La salle qu'on a explosée. Oui. Donc vous voyez, on a fait tout le tour juste pour revenir ici. Bah, c'est pour ça qu'elle nous le proposait en alternative, hein, Cathy. C'était soit on passait les différents tests... soit on passait les différentes punitions, soit on finissait en tôle. Bon. En fait, je m'attendais pas à avoir une save, en fait. De proposer. Ouais. Mais putain, please, j'ai même pas... Je pense qu'il faut aller de l'autre côté. Bah oui, mais le mec est... Et puis bah je ne sais pas, je propose. Mais j'ai appuyé sur B, elle a pas voulu courir. Elle a pas voulu courir, non. Bon, j'essaye, parce que c'est... De toute façon... Putain, mais regarde-moi ça, mais là-bas, elle m'a foutu les poux partout. Qu'est-ce que c'était que ces choses ? Ça semble pas qu'elles vont me suivre jusqu'ici. Je ne peux pas retourner dans la prison comme ça. Ces choses sont sur mon chemin. Je ne peux pas utiliser mon revolver. Je ne peux pas utiliser mon revolver. Ce que je dois faire maintenant, je sais. Cet étage a plein de pièges. Ouais, plein de pièges. La prison, on a aussi. Il doit y avoir un moyen de... Il doit bien avoir un moyen de s'occuper d'eux. De s'occuper d'eux... S'ils sortent de leur cellule. Ouais, c'est ça. Je vais aller jeter un œil à la pièce où il y avait le panneau de contrôle de cet étage. Tout simplement. Ok. Please. On y est. Il n'y a plus le corps. Le corps n'est plus là. Shit. Les traces de sang, un bras et un fouet sont posées. Sont étendues là. Pourquoi ? Ouais. Pléthore de boutons est aligné sur l'appareil. Et ça contrôle. L'étage. Je devrais être capable d'activer une caméra de surveillance. Cette pièce et le bouton pour le mécanisme de cette pièce, oui. Ouais, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Est-ce que c'est ça? On passe en mode shoot. Nous y sommes. J'ai vu sur la caméra et je peux leur tirer dessus. Euh,
Là, elle est en train de se demander si elle allait leur tirer dessus à partir d'ici, quoi. Ça veut dire. Là, il y en a, ouais, il y en a beaucoup. Elle se demande comment ça se fait qu'il y a autant de monde, autant de ces choses. Je suis à court de temps, je dois me dépêcher. J'ai juste à aligner la cible. La cible et appuyer sur le bouton. Ça va me permettre de nettoyer entièrement cette pièce. Voilà, elle pourra entrer dans la pièce. Go for leg shot instead of head shot. Avec une balle ouais, shot. Ils disent le bouton pour tirer, c'est le bouton pour confirmer. Et ils nous donnent un petit indice, un petit truc. Musique. A pu tirer dans les jambes plutôt que dans la tête. Tu vois, je t'ai pas vu, toi. Il se cachait. Vas-y. Voilà, c'est bon. Crevez tous. Allez, on fait du ménage. Vous me gênez. Crevez tous. Il en reste une. Il y a un chat. Non. Maintenant, je devrais pouvoir passer en toute sécurité. Oh non, ce rire. Elle est revenue d'entre les morts. Quelle terrible chose. Ouais, mais là, je vais vas-y, lire parce que vu que c'est pas... C'est même pas des bulles de dialogue à elle, en fait. Quelle terrible chose que tu as fait. Te débarrasser ainsi de ces pauvres. Se débarrasser de ces pauvres. De ces pauvres âmes. En peine et ouais, qui souffrent depuis. Depuis bien longtemps. Et tu ne montres toujours pas d'émotion. Rien ne t'arrêtera pour. Pour que Zach prenne ta vie. C'est ça. Et Rachel, tu es vraiment une femme, une pêcheuse. Ouais, c'est ça. Une grande pêcheresse. Une pêcheresse. Une pêcheresse. Une pêcheuse. Qu'est-ce que c'était que ça? Une pêche. Mais c'était... Attends, c'est parti? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais dans tout cas, je vais me dépêcher. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Je les ai tous descendus. Je les ai tous flingués. Je les ai tous descendus. Y a plus rien pour m'embêter. Ah. Non, c'est pas le moment de s'inquiéter à propos de ça. Donc, let's go. Je suis sûre que je l'aurais tiré dessus. Mais il n'y a aucune trace d'eux. Il y a un interrupteur un peu plus... Un peu plus loin. Vers le fond de la cellule. Je pense que c'est ça. Ok. J'appuie sur le bouton maintenant. Ce son, est-ce que c'est l'ascenseur? Je devrais aller le voir maintenant. On a fini. On a fini cette tâche. Lol. Il semblerait que tu as réussi à appuyer sur l'interrupteur. Tout à fait. Oui, révérend. Yes, my lord.
Toujours. Et comment as-tu accompli cette épreuve, ouais. cette tâche? Hein? Il n'y a pas une âme ou autre chose qui t'aurait empêché dans ta progression? Quelqu'un l'a fait. Ouais, c'est ça. Non, quelqu'un l'a fait, mais je les ai tous... Je les ai tous flingués. Je les ai tous descendus. C'est donc ça. Je vais dire intéressant. Mmh, et ouais. Donc, quelle est ta... Comment dire, c'est pas raisonnement, mais dans l'idée... N'éprouves-tu pas de... Qu'éprouves-tu, oui, voilà. Dans oui, c'est ça. Qu'éprouves-tu suite à cet acte? Ah, ou plutôt dans l'idée, pourquoi as-tu donc pourquoi, fait ça? Pourquoi as-tu donc fait ça? Parce qu'ils étaient sur mon chemin. Je vois. Très bien, il nous reste peu de temps. Continuons vers le prochain étage. Est-ce que c'est la joie? Ouais, on s'éclate. Eh bien, nous sommes arrivés, Rachel Gardner. Ah ouais. Oh lo 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 lo. Nous y sommes. Ouais. L'étage B4. L'interrupteur est ce coup-ci dans la salle de contrôle de la température de l'eau. Pourquoi est-ce que je dois faire tout ça? Que veux-tu dire? Jusqu'à maintenant, vos actes me rendent confuse. Je veux simplement redescendre pour trouver des médicaments. Tout ceci, je le fais pour en apprendre plus sur toi, sur ce que tu es. Ce que je suis. Eh bien oui, à première vue, tu sembles plutôt... Tu es une irrégularité, pas une erreur, mais dans le sens où... Tu es à contre-courant. Ouais, c'est ça, elle est pas comme tous les autres. Tu n'es pas commune, ouais, c'est ça, on va traduire comme ça. Es-tu une brebis égarée? Oui, c'est ça. Ou alors peut-être un démon? De plus, j'observe tes actions durant ce test. Donc, 1. Encore faire des choses terribles. Il veut apprendre plus de choses sur moi. Mais ça, ça ne nous regarde pas. Donc voilà, nous revoilà à l'étage B. C'est vachement joli, 4. Hein, les effets sur les murs, tout ça qui change en fonction des étages, c'est sympa. La tombe, la pierre tombale, what? Que Zach a détruit. Elle a été bougée, elle a été déplacée. Oh non! Oh non! Ah! Pas encore. Qu'est-ce qui va pas avec moi? Comment puis-je voir des personnes mortes? Il semblerait que je puisse voir les morts maintenant. C'est quoi sa connerie?
Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive à voir les morts. Ah, purée. Hein. J'arrive, je vois des gens décédés. Ghost Whisperer, quoi. Non, mais... Je vois des gens décédés. Mais il n'y a pas de... C'est pas le moment d'être effrayé. Bah, okay, moi, j'aurais peur quand même. Il y a Dis-moi oui, Eddie, qui est de retour. Dis-moi oui. Eddie. Ah, bonjour. Bon, voilà. Suite à une inspection, je vois que cet endroit a été complètement détruit. Dévasté. Eddie est un gentil garçon. Oui, non. Eddie. Était un gentil garçon pour être. Dans la réalité. En vrai. La colère qu'il a dû éprouver. Oui, ouais, il a dû être furieux en voyant ses pierres tombales détruites de cette façon. Ouais, de manière aussi horrible. Son cœur pur. Je suis pas sûr de comprendre la phrase en vrai. Peut-être son cœur. Il fallait le blâmer parce qu'il était trop gentil. Ouais, trop gentil. Dans sa façon de. De voir la mort, peut-être un truc comme ça. Ouais. Une bien triste fin. Mais. Cela veut dire que ceux qui sont. Qui restent dans ces. Pierre, dans ses pieds, dans ses pierres tombales, sont les personnes qui sont le plus à avoir de pitié, plaindre dans ce moment-là. Eddie était plein de compassion pour leur apporter un lieu de repos éternel, pour apaiser leurs âmes. Mais maintenant, ça ne semble plus être possible. Oh bah comme d'hab, lui, il va partir en avion. Bon, je pars. Allez, salut. Salut, allez, dépêche-toi de trouver l'interrupteur. Va trouver l'interrupteur, moi je t'attends plus loin. Il y a quelque chose qui... Qui sort des pierres tombales. Ouais. That should be there. Ça ne devrait pas être ici. Ça devrait pas être là. Mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter à propos de ça maintenant. Je dois aller à la pièce qui contrôle la température. Je suis à peu près sûre que c'était... Je suis presque sûre que c'était au fond de la salle de droite. Oh lolo, what the fuck. Oui, il y a des mains qui sortaient des tombes, ouais. Magnifique, hein. What the scuffing. Est-ce que ces cercueils étaient là avant? Non. Il y a un grand trou dans le mur. La salle de contrôle de la température, ça devrait se trouver là. Yes. Donc c'est l'appareil qui contrôle la température. Il y a une barre qui ajuste la température de l'eau. La température est indiquée. Il y a de l'air frais qui sort de ce placard, on dirait une sorte de réfrigérateur. Il y a quelque chose d'écrit dessus. Seulement pour mon utilisation. Pour mon utilisation, pour mes besoins. Une fois le réfrigérateur ouvert, un air frais a commencé à sortir, à en sortir. Il n'y a rien à l'intérieur. Ah, il y a un trou dans le fond.
Mais il semblerait que je puisse pas l'atteindre. Il me faudrait quelque chose de long. De long et fin. Et fin. Je sais ce qu'il va falloir qu'on aille récupérer. Il y a... Une pioche brisée. Cassée. C'est cassé. Excusez-moi. C'est cassé, mais ça peut encore avoir son utilité. Mais c'est pas assez long. Je dois trouver quelque chose d'un peu plus long. Les choses qui sortaient des pierres tombales bougent de leur propre volonté. Les exas. I think that's the answer stuff doing. On dirait des jouets, quoi. Des jouets. Sont des mains. Ouais, c'est ça. On dirait des mains qui. Enfin, des objets, des jouets qui ont été faits main. Ce ne sont que des jouets mouvants. Ah! If I did a snake with some smell. Si je mets ça au bout de. D'un bâton, ça pourrait. Ça pourrait être bien. J'ai acquis une main. Jouée. Une jouée main. Une peluche. Une peluche de main, on va dire. Ouais, mais attends, avec la main ça va le faire. Non. Ah non, ça le fait pas. Je sais pas ce que je dois faire là. Ce que je dois. Faut trouver un autre objet long. Ouais, je crois qu'il faut que je les écrase tous. Oui, déjà. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Je devrais essayer d'attacher ça à la pioche. Wesh, on va se calmer, hein. Tara. Si j'attache les peluches des mains à ça, ça devrait être suffisamment long. Déjà, je les mets ensemble. Je les couds ensemble, or. Gataille, fusion. Gataille. Maintenant, je les attache aux manches de la pioche cassée. Vous obtenez une pioche étrange. Une pioche étrange. Moi, je dirais une pioche glauque. Maintenant, je devrais être capable. Je devrais être capable d'atteindre le fond du frigo. Let's go! Le frigo. Allez, c'est parti, on va utiliser notre truc dégueulasse. Je devrais pouvoir atteindre le fond en utilisant ça. On avait dit c'était quoi, Odd? Normalement, ça veut dire impair, mais je pense à d'autres. C'est irrégulier. Enfin, ouais, du coup, le truc qu'elle a fait, c'est pas idéal, quoi. C'est pas cassé. Tu vas pouvoir le bouger encore un peu. Ah. Allez. C'est bon, on l'a fait. Oui, Didit. This was the right. Bien, c'était le bon bouton. Je dois vite aller à l'ascenseur et descendre aux autres étages. La peluche main a arrêté de bouger. Oh là là. Oui. Je l'ai vu, Rachel. J'ai tout vu, Rachel. C'est horrible. C'était terrible, juste terrible. Avoir entendu un tel cri ne t'a rien fait, Rachel? Euh,
tu ne veux pas réconforter ces personnes qui ont crié. Tu considères qu'elles n'ont pas le droit d'être heureuses ? Oui, c'est ça. Tu ne penses qu'à toi-même, Rachel. Égoïste. Et tu, de plus, tu ignores complètement le bonheur des autres. C'est pour ça que toutes les personnes autour de toi, même Zach, vont... Finir par souffrir, être à tes côtés. À côté de toi. À tes côtés. Pas encore. Si horrible. Un cri triste. Je ne ressens rien. Ils finiront tous par souffrir à la fin. Même Zach. Mais je... Non, je dois pas penser à ça. Le prochain étage, B5. Je devrais pouvoir trouver des médicaments. Je dois me dépêcher d'y aller. Oh là là. J'ai appuyé sur l'interrupteur... Il semblerait. Rachel Garner. C'est l'heure des questions. Rachel Garner. Oui. Comment as-tu fait pour appuyer sur le bouton ? J'ai attaché une peluche de main à une pioche et j'ai appuyé dessus avec. Intéressant. Ont-ils... crier d'agonie? Non. Comment peux-tu en être si sûr? Je vous l'ai dit, c'est juste des jouets, rien d'autre. Je vois. Elles ont dû apparaître à toi sous cette forme. En tout cas, si ce que tu as vu, alors ça doit être vrai. S'il vous plaît, laissez-moi descendre au prochain étage. Très bien. On n'a pas que ça à faire, comprenez ? Eh ben dis donc, est-ce que c'est la joie ? Ben oui. Nous sommes arrivés à B5. Oh, cette musique! Tu souhaitais arriver ici, n'est-ce pas? Il y a le vomi de Zach. Oui, le vomi. Voilà. Oui. Eh bien, dépêche-toi et trouve les médicaments. Dany était un homme méticuleux. Ouais, Dany était un homme méticuleux, il ne laissait pas... Sans aucun scrupule. Ouais, il était... c'était un bourreau de travail. C'est ça. Il avait sûrement... Il était méticuleux et il n'y avait rien qui pouvait l'empêcher de faire son travail. Il avait sûrement le médicament que tu recherches. C'est ça. Cependant, il semblerait que Dany était même un peu trop excessif. Ces derniers temps. Ouais, c'est à cause de nous. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quelque chose dont j'ai besoin au B6 aussi. Oh. Très bien. C'est sûr que ça va ? Oui. On va y aller. Retourne à l'ascenseur une fois que tu auras trouvé le médicament. Ok. Toutou, 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 toutou. Il est temps de chercher les médicaments. Je suis sûre que je vais en trouver ici. Mais c'est pas... Enfin,
Là, je pense qu'elle s'interroge sur le fait que les étages ressemblent pas exactement à ce qu'elle a vu précédemment. Donc c'est plutôt... elle dit surtout qu'elle a pas fait attention la première fois qu'elle est passée, voir si elle avait vu voir si elle avait vu des médicaments. Ouais. C'est vrai, bah, en même temps, on était avec psychopathe, là. Ah bah là, c'est là. Je suis déjà passée à cet étage plus tôt, mais il y a quelque chose de différent dans cette pièce. Dans cet endroit. Ça l'a fait aussi aux étages précédents. Mais j'ai pas le temps de... Elle arrive pas à mettre un... Elle arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a de différent et qu'est-ce qui se passe exactement. Les murs et l'ascenseur sont exactement là où ils devraient être. Il y a même le vomi de Zach qui est toujours ici. Hein? Ah! Il y a vraiment quelque chose qui va pas ici. Je dois m'enfuir. Wesh, canapèche. On s'est fait attaquer par du vomi. Hein? Qu'est-ce qui vient de se passer? Rachel, tu t'es fait attaquer par du vomi? Qu'est-ce qui se... Oui! Donc là, en fait, elle explique qu'elle se sent beaucoup mieux et... Ouais, elle se sent beaucoup mieux. Que ouais. Tout ce qui était un peu bizarre, c'est... C'est estompé. Voilà. Poses me. C'est vraiment bizarre. Tant pis pour ça. À propos de ça, je dois trouver les médicaments. Allez. Zach en dépend. La survie de Zach en dépend. Je devrais essayer la salle d'opération. Ça me semble être un bon endroit pour en trouver. Et regardez, ça... Zach. Ce vomi... nous a sauvés. Voilà. Ah, c'est incroyable. Mais en tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode numéro 16. Je crois que c'est ça. Ah oui, c'est ça. Tout à fait. De Angels of Death. Donc, dans le prochain épisode, on... fouillera cet étage et j'imagine l'étage de Zach et on verra ce qui se passera après. Ouais. Donc à plus et à la prochaine. Salut. Salut.